Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Spider-Man Miles Morales. C'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, on s'est laissé exactement ici et nous devons aller juste là pour faire quelque chose. Ah oui, aller chercher un cadeau de Peter. Pete a prévu tout un tas d'appareils. What's up? Qu'est-ce que c'est que ça, combat? Miles, tiens-toi prêt pour ton tout premier entraînement holographique. Il y a des défis dispersés un peu partout dans la ville. Chacun permet d'apprendre de nouvelles techniques. Ici, on se concentre sur l'improvisation acrobatique. Positionne-toi pour commencer. What? Un nounou entraînement? Oh mais ouais, à fond! Yo! T'es riche ou quoi? Comment ça tu peux poser des trucs comme ça et même pas les surveiller? T'as pas peur qu'on te les... D'abord, le combat aérien. Pour prendre l'avantage, ferme quelques d'appropriés selon tes conditions. Comme quand on te dévole, maintenez carré pour réaliser une position aérienne. Yes! Attends, enchaîne avec une attaque en l'air. Maintenant, un de mes préférés, le coup de pied latéral. Quoi? Ok, appuyez sur X. Maintenez carré pour donner un coup de pied latéral à un ennemi. Le dive kick! Les hologrammes, c'est le futur! Avec les bonnes pièces, on pourra les rendre transportables. Ah oui, je me rappelle de ce combo. Oh. Ok, je savais pas que je pouvais l'utiliser tout de suite. Donc, regardez. Regardez. Ok, allez, va les faire. Attends. Bah. Autre pouvoir d'araignée de base, le désarmement. Ok. Maintenez triangle pour désarmer un ennemi. Ah oui, évidemment, hein. Les ennemis désarmés sont beaucoup moins dangereux. C'est hyper jouissif de les cogner avec leurs propres armes. Ça se fait plaisir. Bon, d'accord. C'est hyper classe. Merci, Peter Parker. Maintenant, on va combiner ces deux mouvements. Avec ça. Et je crois que j'aurais jamais dû jeter ça, je pense. Et, attends, je suis là. Y'a plus rien. Ah, ok. Donc, maintenez carré pour réaliser une projection aérienne. C'est ça les ennemis? Attraper une fois des ennemis jetés en l'air, c'est top pour maîtriser les groupes. Et en plus, les bruits qu'on avance! Ah bam! Ah, c'est trop nice! Je savais pas que j'avais tout ça dès le début! Ah, ok, c'est bon, on va pas crever, hein? Mais là, ce sont des hologrammes! Est-ce qu'ils sont solides? Réflexe! Attends, électro-marteau! Ok, ça commence à me plaire! La note qui arrive, attention! On passe à l'entraînement. On combat aérien et on désarmement pour éliminer les ennemis. Attendez, attendez, wow, wow, wow! Prends ça de fer! Bah, bah! Wow! Bonne idée! Ouais! S'il vous plaît, ne retiens pas! C'est l'heure de... Oh boy! Ah yeah! Bonne nuit mon frère! Attends, donne-moi ça mon ami! Je peux vous les changer? Gratos en plus! Et c'est un bingo! Les grands bleus de la mort! Plein de matériel high-tech qu'on peut revoir! Oh non! C'est Spider-Man! Descendez-le et prenez le matos! Ouais! Alors on veut prendre ce drapé? Ouais? Ok, c'est parti! Tire l'araignée et prenez le matos. On va tout revendre, j'espère un max de thunes. Précise un truc. C'est de la technologie Spider-Man officielle. Vous êtes pas autorisé à la revendre. Tu l'as dit, Bouffy, man. Bonne nuit, mon frère. Ouais. Attends, attends, les hologrammes. Pourquoi est-ce qu'ils sont transparents? Le cœur du toit c'est la spécificité. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, salut! C'est pas une réplique! C'est une bonne vieille casse! Entraîne-toi, et tu lâches la électrique simple en comme. Oh my god! Oh, il faut que je le sauve, hein! Sinon, il va mourir comme ça! Attends, je peux faire une élimination comme ça! Ok yo, là tu viens de le tuer, il va aller à l'hôpital, il y aura tous les seins dans le cassé. Dégage, Peter Gamon.
Bonne nuit. Mais pourquoi il y a des hologrammes comme ça pour moi, hein? Attaque réussie. Tu passes tes oignons, sale morbide. Oh mon dieu. Hey, alors. Waouh. Bon vrai. Il s'est bien fait massacrer. Ils sont pas prêts de recommencer. Wow. J'ai plus qu'à rétablir la simulation. Yeah. Wow. Faille critique sur le circuit AF15. Regardez, l'hologramme voyant l'or. Je vais relancer le BIOS. Super, ça a marché. On dirait que Pete a préparé des épreuves de furtivité, de voltige et de combat. Faudra que je regarde quand j'aurai un peu de temps. Oh! Oh! Ok, je suis là! Donc, défi combat 1.0, défi non disponible pendant la mission. Donc, c'est quoi ça? 10 coups, 25 coups, 50 coups, ultime? Ok, alright, thank you very much. Pot neuf, terminé! Expérience gagnée, nice! Eh, tu devrais faire un tour par Roxen Plaza avant de rentrer. Je viens juste de passer devant et je crois que quelqu'un est entré par effraction. Ouais, je vais aller voir. Bon, je veux tout savoir sur ton nouveau speeder pouvoir. Je crois que c'est une espèce de charge bioélectrique ou de l'électricité statique ultra concentrée. Waouh, il faut qu'on lui trouve un nom. Pourquoi pas puissance bioélectrique. Ça sonne bien, non? Ok, c'est pas mal. Faut que je file. Une toile. D'abord la plaza et après je rentre. Oublie pas, puissance bioélectrique, ça claque. Yeah! Puissance bioélectrique. Mais là, j'ai quelque chose de très important à faire. On doit aller dans la section compétences parce que j'ai 4 points de compétences. Alors, est-ce que je débloque ça? Compétences de combat. Attaquer et esquiver génère plus rapidement de la puissance bioélectrique, remplissant ainsi la barre de bioélectricité. Oh ouais. Yo, je peux l'utiliser plus souvent. Moi, je trouve que c'est nice. En tout cas, c'est le seul truc que je pouvais acheter à part ceci. Saut bioélectrique. Ok, appuyez sur L1 plus cercle, carré, X. Je suis tout avoir foiré mon coup. Paralyse les ennemis proches, les désarme et les projette en l'air. Je peux désarmer une tonne de personnes avec ça. Mais c'est sûr que je vais prendre ça, brothers, man. On n'a pas le temps de niaiser. Ah oui, on va regarder un peu encore ensemble le menu. Donc ici, nous avons la carte. Alright. Ici, on a les tenues. Bon, j'en ai pas beaucoup. Gadget. Attends. C'est écrit que j'ai 2 points de compétences pour les gadgets, c'est ça? Attends, j'ai encore 2 points de compétences que j'ai pas utilisé, ma bad! Mais est-ce que je peux les utiliser pour les gadgets? Non, hein? Non, ça marche pas, il me faut des jetons d'activité, d'accord. Alors, mission. Ah! Oh, il y a beaucoup de missions! Cadeau de départ, nous sommes là pour vous. Peau neuve, accroche-toi à tes toiles. Ok, d'accord. Donc, flux social. Oh! Ok, toi, t'es un bonhomme qui aime ça utiliser Twitter. Ok, jalon. Ah, ok. Ça, il faut répéter plusieurs trucs pour pouvoir déterminer comme les figures, les cils, ça, d'accord. Personnage. Bon, d'accord. Technique. Oh, toutes les attaques sont là. Oh, ok. Let's go. On y va. Je crois qu'on a assez vu ce qui se passe, hein. Mordu de vitesse. On va faire un peu de pirouette. Yo. Ça me donne de l'XP gratos, alors pourquoi pas, hein? Ha! Salut les amis! Merci infiniment d'avoir parlé de mon podcast autour de vous. Je suis passée de la 136e à la 87e place. Alors, wow! Trop bien! Bref. J'ai déjà terminé? Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur aniforme. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout Harlem. J'entends d'ici vos questions. Simon, comment est-ce possible? Ma réponse, c'est le Nuforme. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Harlem en énergie propre et sans danger pour les 5 prochains siècles. Bientôt, nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite dans le monde entier.
Tenez-vous prêt pour une planète qui carbure au Nuform. Roxxon, nous sommes là pour vous. Est-ce que je peux acheter des stocks de cette compagnie? C'était quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ils ont vandalisé des trucs. Ils cherchaient peut-être quelque chose. C'est ce que nous allons voir. Ils ont fait une recherche Nuform. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire avec? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous cette nuit? C'est quoi cette affaire-là? Attends! Leur matos c'est dingue! Mais la bioélectricité peut le contrer! Ouais! Gangi a raison! Bioélectricité c'est bien! Ok, non, lui a souffert beaucoup plus à Desmond. On va essayer de faire ça. Oh non, c'est trop nice. C'est pas vrai, ces mecs-là, ils sont dans le caca. Je vous connais pas, non. C'est pas les bâtons lumineux. Tu l'as dit, Poufi? Tu vas mourir. Quoi? Il m'a fait des coups. Tu vas me le payer. Il a l'air d'être un big boss, man. Alright! Oh mon dieu, toi là, t'as vu? Waouh! Il y en a d'autres au niveau du bas. Faudra bien que tu restes en un jour! Du coup, là! Bonne nuit! Mangez-le! Ces mecs-là, ils sont plus résistants, man! Ok, ta maman va plus te reconnaître, ça, c'est sûr. Allez, réflexe! À toi aussi! Prenez les poubelles parce que vous êtes des ordures! Oh, en erreur, on t'en prend la boue! Ha ha ha! T'as craillé où toi, man? Wow! Attends, attends! Yo, calme-toi! Je me suis fait avoir comme un fou! Yo, vous trichez, vous avez des trucs que vous ne devriez pas avoir! Où est-ce que vous avez volé ça, mec? On pourra jamais nous battre. Eh, et à la plaza? J'avais raison. C'est des cambrioleurs. Je crois qu'ils en ont après le Nuform. Le Nuform? Le truc dans le réacteur? On l'a encore installé. J'ai entendu parler des livraisons. Bizarre. Super bizarre. Au fait, j'ai fait les courses pour ta mère. Et elle se demande ce que tu fais. Le dîner est bientôt prêt. C'est pas vrai. Ok. J'essaie de couper ça rapidement. Vas-y. Mais c'est correct. La dernière fois, t'as mangé de la pizza. T'as pas vraiment besoin d'aller manger. Bah. Ouais, bonne nuit. Bah. Ok, non. Est-ce que c'est bon ou bien ils sont nombreux? Je comprends pourquoi le mec a dit que je peux pas les voir. Ils vont juste pas à longueur de journée. Jamais t'aurais dû en finir. Ne laissez pas vous électrifier avec son truc. Oh, le bonhomme, il reste en l'air pendant une éternité. Bonne nuit. Oh, wow. Ok, non, non, non. Ces mecs-là, ils veulent pas se laisser faire. Et lui, là, je viens faire en sorte qu'il arrête de me gunshot, hein. Une coureur? C'est qui, ça? Oh, les petits lâches. Voilà, t'es fini. Bonne nuit. Il parlait de cargaison de Nuform. Faut que je découvre ce qu'ils ont trouvé pour anticiper leur prochaine attaque. Bonne chance, man. Oh, ok, c'est une vitre. Pendant le sens, je croyais qu'il n'y avait pas de vitre. Yeah.
Ils suivaient des cargaisons de Nuforme. Mais pourquoi? Les gardes de Roxxon, ils s'occuperont du reste. Je m'occuperai de ça plus tard. Nice. Nous sommes là pour vous terminer. Il faut que je rentre. Je suis vraiment impatient d'être au filet du réveillon. Ouais. Je me renseignerai sur ce groupe et les cargaisons de Nuforme demain. Écoute, t'as bien travaillé aujourd'hui, mon ami. Bon, j'ai des points de compétences. J'arrête pas de me tromper de bouton. Donc, si je vais ici, qu'est-ce que je peux prendre? Ceci. Donc, maintenez triangle pour exécuter une attaque bioélectrique ramenant l'ennemi vers vous après l'avoir projeté grâce à un combo ou une attaque bioélectrique. Attendez, laissez-moi revoir ça. Oh, ok, on va voir ça ici. Double la durée de la paralysie des ennemis. Ok, non, ça c'est trop nice, pourquoi pas prendre ça? En fait, je peux prendre les deux trucs. D'accord, on y va. Wow! Frère, j'ai des sacs à dos. Il fait trop froid pour se changer dehors. Trop stylé. Ce jeu a été sponsorisé par Adidas. Cette sauce guava est excellente. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, un peu de sauce. Je vous nettoie ça en 2 secondes. Et voilà. T'inquiète, mec. Le tapis. Bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, mamie. On a de la visite ce soir. Tu pourrais arranger l'appartement? Oh, et mettre une petite musique d'ambiance? Ah, Nadia. Quoi? Ta directrice de campagne le soir du réveillon? Le rassemblement ne va pas s'organiser tout seul. Merci de tout mettre en place, Mijo. Allô? Nadia. Mijo. Gracias. Bonne nuit. 15 ans à Brooklyn sans une seule tâche. On déménage à Harlem. Ça doit être un signe. Ah là 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 là, je n'aime pas ce signe du tout. On avait déjà signé ces formulaires. C'est oncle Aaron, l'invité mystère? Un secondo. Tu sais que je ne veux pas de lui à la maison. Je me disais juste... Non, rien. On parlera de ça plus tard, d'accord? Nadia, je suis là. Oh my god, la bouffe a l'air tellement bonne! Oh, j'ai envie de manger ça. Attends qu'on soit passé à table, s'il te plaît. À vos ordres. Oui, bien sûr. All right. Ok, je vais aller voir mon poteau là. Non mais t'as une jolie baraque quand même. Je suis pas mal coiffé là. Yeah. Je croyais qu'on avait déjà signé ces formulaires. Oh non. Ouais, ça marche encore. Oh, j'ai cru que quelqu'un avait fait ses besoins et tu savais qu'il l'avait fait avec tes sans-araignées. Je prends 3 fois plus de douches. Depuis que je fais le justicier. Ben ouais, c'est tout à fait normal, man. Nettoyer, tâche guava. Héritage familial. Il faut encore que j'emballe les dernières affaires d'Abuela pour lui envoyer à Puerto Rico. Mm-hmm. Le déménagement est encore un peu frais dans ma tête. J'ai toujours l'impression d'être chez Abuela. Ah, c'est fun de parler tout seul? C'est dingue. Cette télé doit avoir l'âge d'Abuela. Damn! Wow! La technologie a bien avancé, hein? Pete m'a emmené voir ça. Il était en larmes à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi. Le Ruby Theater présente Amor, Vida, Engano, un cuento de caramidad. Spectacle de matinée, 15 avril, 14h. Je suis désolé, j'ai torché ça. Le pire, c'est que j'ai pris des cours d'espagnol lorsque j'étais au cégep, man. Des idées de speeder tenues. Faut pas que maman tombe là-dessus. Mais pourquoi tu laisses cette page ouverte, mon frère?
Faut pas que maman tombe là-dessus et tu reposes là comme si de rien n'était. My dude. Tiens, la remise des diplômes du collège. Ça fait longtemps qu'on s'est pas revus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Félicitations, Miles et Finn. Vous allez botter des vous savez quoi, Odyssey Rick. Yeah, t'aurais dû dire c'est quoi le vous savez quoi, man. Mon brother? Au fait, merci de m'avoir invité à passer les vacances chez toi. Vraiment, y'a pas de quoi. Tes parents se plaisent à Hawaï? Juste avant que tu rentres, ils m'ont appelé du sommet du Haleakala. Donc je pense que ça va. Moi, je voulais pas rater Noël à New York. Carrément? C'est le meilleur moment de l'année. C'est ce que je leur ai dit. Ah. T'avances sur Speed Nonagon? J'ai trouvé un moyen d'afficher l'interface dans une toute petite fenêtre sans la surcharger. Ça devrait marcher pour d'autres applis. Oh, c'est mortel! J'ai totalement compris de quoi vous parlez, les brothers. Maman non plus a pas fini de déballer ses affaires. Cette tapisserie, c'est trop abuela. Mais... C'est quoi ça? Oh, ça a dû atterrir dans le mauvais carton. Un vieux dossier de police de papa. Tu vas découvrir. Le rôdeur. Oh oh oh. Je me demande si papa l'a attrapé. Ouais, vous avez vu sa face? Je crois que non, hein. Je m'étais pas replongé dans tout ça depuis l'hôtel de ville. L'album préféré de papa. Il le mettait tous les dimanches en faisant le café. Ah, je sais déjà ce qu'il faut faire. Papa, we know the cappuccino. Maman a dû en commander près d'une centaine, parce que l'article parlait de papa. Qui est Spider-Man? Si tu savais, maman... Tu veux pas dévoiler le secret, mon frère? Détergent borax, percarbonate, carbonate de sodium... Alors, on écoute quoi, vous avez pas de la chapelle, meilleur c'est... disque de tous les temps? Yeah! Let's go! C'est parfait. Posé, classe. T'aimais pas le jazz quand j'étais petit? Ton père m'a appris à l'apprécier. Non, je ne crois pas. Alright! C'est bon? Donc, yo, c'est quand tu vas faire les TH, mon ami, man? Il faut que tu te dépêches un peu. Je suis content que le sapin de papa ait tenu le coup. Moi aussi. Il y tenait énormément. Un vrai Noël, c'est un Noël à Brooklyn. Ça me manque de l'entendre dire ça. Oh, papa. Ça fait des années que cette sonnette ne marche plus. Miles, tu peux y aller? Bien sûr. Tes parents vont bien, Gunky? La porte est là-bas. Je leur ai pas parlé. Je la sens pas celle-là, pour quelque raison. Finn? Salut. J'ai réparé ta sonnette. Ça me fait trop plaisir de te voir. On s'est pas vu depuis... Des mois. Il y a eu du changement. Ouais, ça c'est sûr. C'est notre invité d'honneur. Rentrez tous les deux. Le dîner est presque prêt. Finn, je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Merci de m'inviter, Madame Morales. Tu nous as manqué. À lui en particulier. Ah, salut! Finn, voici Gunky, mon pote du lycée Brooklyn Visions. Gunky, voilà Finn, ma meilleure amie. Enfin, avec toi. Ah ouais, vous avez gagné le concours de sciences au collège, c'est ça? Vous aviez fait un... Convertisseur d'énergie? Chips! L'électricité dans ce bâtiment est une catastrophe. Je vérifie le disjoncteur. Gracias. Alors... Noël aux chandelles? J'ai pas fait ça en réparant la sonnette, promis. Je la sens pas celle-là. Bioélectricité, regardez ça. Ça marche pas. Le coupe-circuit est pas alimenté. C'est coupé dans toute la rue, on dirait. Je vais aller jeter un œil sur l'escalier de secours au cas où. D'accord, chérie. Mais fais attention. On peut sûrement pas atteindre le transformateur en passant par là. Moins d'être super collant. Fais attention, hein, si tu te fais voir par les autres, là. Tu vois d'autres immeubles qui sont dans le noir? Il y a des gens sur toi. Je peux pas monter? Ouais, dans tout le quartier. Ok, ouais. T'es sûr que tu veux pas aller sortir ton costume, man? J'ai hâte que le réacteur... J'espère que personne ne peut me voir là-haut. Alors va mettre ton costume, mon ami, man. Regarde pas par la fenêtre. Regarde pas par la fenêtre. Vous croyez que Miles s'en sort dehors? J'espère.
Je m'en sens très bien. La bioélectricité peut assommer Rino. Mais est-ce qu'elle peut sauver le repas de Noël? Allez, ça a marché. Oh, il y a un peu trop de lumière. J'y avais pas réfléchi. Je dois rentrer en vitesse. D'accord, ici je le fais pas. Est-ce que c'est... c'est une mission ferme? Hein? J'ai envie de voir ça. Ah, ok, vous encore, on va pas le faire. Bon, il faut que j'aille par là. Continue de les occuper, Ganki. Yeah. Allez, Ganki. Miles est toujours dehors? Et si on prenait une photo? Maintenant? Ouais, parce que les bons moments, faut les immortaliser. On n'attend pas Miles? Non, il a horreur des photos. Allez, rapprochez-vous de moi. Prête? Super, c'est magnifique. Oh, tiens, Miles. On passe à table? Vous pouvez aller vous asseoir, je m'en occupe. Mmh, ça sent bon. Mmh. Tum, 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 tum. Finn, raconte-nous un peu ce que tu deviens. Toujours dans ton club de robotique? Je l'ai quitté. Mais j'étudie la biotechnologie de mon côté. Crâneuse. Oh, tu peux parler? Tu portes une cravate pour aller à l'école. Eh, hey, seulement les mardis. Ton frère Rick travaille toujours chez Roxxon? J'arrive pas à croire que des gens travaillent encore pour eux après votre campagne. Vous avez vraiment démoli Simon Krieger. Ça me fait penser... Ganki, les réseaux sociaux, c'est ta spécialité, non? Tu peux faire circuler l'info pour le meeting de demain? Ouais, à minuit, on parlera que de nous. Parfois, on dirait que c'est Simon Krieger, mon véritable adversaire. Roxxon a une influence énorme ici, mais ils ne rendent de compte à personne d'autre qu'à leurs actionnaires. Il nous faut quelqu'un qui se batte pour la communauté. Ça, c'est maman en mode politicienne, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Est-ce que vous voulez relire ça avant que je le publie? Oui! Ne touche à rien! Est-ce que t'as des soucis? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, t'as l'air... je sais pas... préoccupé. Est-ce que tu veux m'en parler? Pas ce soir. C'est Noël. T'es pas trop triste d'avoir quitté Brooklyn? Franchement, ça va. Ah, t'as le cafard? Non. Traduction, je suis triste, mais je suis trop gentille pour le dire. Non, c'est juste que je connais personne ici. Et en plus, je suis toujours obligé de demander mon chemin. Faut trouver un bon restaurant. Un bon coiffeur et un terrain de basket. Tu t'adapteras. Sinon, ça te dirait qu'on se voit demain? Nous deux, tranquille. T'es sûr que t'as le temps? Oh, c'est les vacances. Je peux passer au moins une semaine sans faire des devoirs. Ok. Je t'appellerai. J'ai trop hâte. Je veux dire, j'ai hâte qu'on se voit entre amis. Je vois que t'es toujours aussi doué avec les filles. J'ai enfin un rendez-vous galant. Yeah! Miles! Quoi? T'es réveillé? Non. Je suis resté debout toute la nuit pour créer une appli pour ta tenue. Elle a un système d'exploitation de malade, j'ai jamais vu ça. Mais je l'ai passé dans un désassembleur pour décortiquer l'architecture du plugin et... Ah, tu viens de te rendormir, pas vrai? Miles! Je dors pas. J'ai presque fini de la compiler. Et voilà.
Tu veux essayer ma nouvelle appli? Ouais mec, quand tu veux. Je suis connecté à tes analytiques. C'est parti pour le test. Ok. Je peux voir tout ce que tu vois. Comment tu fais pour pas gerber tout le temps? Avec beaucoup d'entraînement. What? Un jeu de Spider-Man à la première personne, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Glissez vers la gauche sur Terre pour consulter l'appli Araignée Sympa du quartier. Bienvenue dans mon application Araignée 1.0. Elle permet aux New-Yorkais de demander directement de l'aide et de signaler les crimes en cours. Ah, chouette l'interface. Merci. Oh, regarde, quelqu'un vient de faire une demande. Ok, sélectionnez la mission Harlem non desservie dans l'onglet Activité. Paf. La demande provient d'un certain Aaron Davis. Hein? Quoi? Maman? Il sait que tu es Spider-Man? Non! Ça doit être une coïncidence. Je me dirige vers la station de métro. Ah, ok, ça c'est les trucs pour faire des quêtes secondaires, d'accord, d'accord. Bon, les potos, ce jeu est trop génial. Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Ce jeu est trop génial, je l'annonce, c'est pas incroyable, man. Oh, wow. Vous savez quoi? On va jouer à ce jeu à fond et on va terminer l'histoire en peut-être 3-4 jours. Je vais tenter le coup. En tout cas, si vous voulez sauter dans cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurez l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Dès que vous voulez, moi, tu fais de ce poteau amico. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!